Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, Emmanuel Keïta parle à ses fans, à sa fanbase, de leurs propos qu'ils disent à chaque fois sur leurs commentaires, dans leurs publications. Oui, les propos tels que oui, Emmanuel Keïta n'est plus comme avant. Emmanuel Keïta ne pense plus trop à ses fans. Emmanuel Keïta n'est plus attaché à sa communauté. Emmanuel Keïta, on n'entend plus parler d'elle, tout ça. Elle essaie d'expliquer, vous dit oui, qu'elle est toujours la même. Sauf que ce que les détracteurs faisaient et disaient sur elle, en train de disparaître parce que les gens se sont rendus compte que c'est faux. Bon, on écoute ses propos, hein. Voilà. On va écouter ses propos et ses dits d'elle-même. Et voilà. Après, les gens se taisent. Est-ce que ça veut dire que j'ai changé? Je suis toujours la même Emmanuel Keïta que vous avez connue depuis le début sur la plateforme. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne. Mais dans votre entendement à vous, vous vous dites que j'ai changé parce que vous n'entendez plus qu'on parle de moi. C'est juste que les personnes sont fatiguées de parler. C'est ça que vous devez faire la différence en fait. Les personnes sont fatiguées de parler. Sinon, moi, je suis toujours la même personne. Je n'ai pas changé. Je suis avec mes mêmes amis. J'ai mes mêmes habitudes. Je dis toujours ce que je pense. Quand j'ai envie de faire un live, dire ce que je pense, bah, je le fais. Je suis toujours pareil. Je n'ai rien changé sur moi. Je suis à ma même place. Je suis à ma même place. C'est juste qu'aujourd'hui, on vous avait fait tellement avaler certaines choses, vous avez tellement cru à ces personnes-là que quand vous voyez que ces personnes-là ne parlent plus, je vais vous donner un exemple tout bête. En tant que fan, en fait, vous me faites croire que vous ne croyez pas ce qu'on dit sur moi. Mais en tant que fan, vous croyez tout ce qu'on dit sur moi. Vous croyez tout ce qu'on dit sur moi. Donc, quand on ne vous dit pas, on vous dit qu'elle est pauvre, elle n'a rien. Quand vous voyez après que cette personne qui est pauvre n'a rien, s'achète une maison, fait des activités, vous, dans votre tête, vous vous dites, oh, elle a évolué. Sauf que peut-être qu'elle n'a pas du tout évolué. Elle avait ses mêmes moyens depuis toujours. Et c'est maintenant qu'elle a décidé de le faire. Ou par exemple, quand quelqu'un va venir te clasher, et puis un matin, la personne est fatiguée, il arrête de clasher. Si la personne ne parle plus de nous, vous allez dire par exemple, oh, on n'entend plus le nom de EKO. Elle a changé. Non, ce n'est pas EK qui a changé. C'est la personne qui ne parle plus de nous.